Bonjour à tous, bienvenue sur une vidéo tuto spéciale sur Genshin Impact que j'ai fait avec mon pote Yahito. On a fait le théâtre mécanique en une seule après-midi. Merci d'être là et bonne vidéo! Et là, invitation, il faut que je t'invite. C'est ça. Tac, je t'invite. Là, pour ces missions-là, c'est mieux de prendre des personnages qui ont des épées à deux mains, tu vois. Non? Pour Non, bloquer pas les mecs. forcément. Il faut savoir que ça, c'est suprématie glace, mec. Cryo, suprématie cryo. Donc, si t'as de la glace et de l'eau, ça passe. J'ai Barbara, mais Barbara, j'ai Mais elle a Barbara, rien. Barbara, elle voilà. a rien. Et j'ai Il glace. faut juste son E, de toute façon. Il faut juste son E. Et elle, de la glace, ça devrait le faire. Non, est-ce que t'as le voyageur? T'as le voyageur, non? Ouais. Ah, mais les voyageurs, tu l'as en géo ou pas? Non. Il est Il faut que. en vent. Là, il faudrait que tu changes, que tu mettes ton voyageur en géo. Tu veux que j'aille le faire là? Ouais, s'il te plaît. Ok. Parce qu'en fait, tu vas mettre les trois piliers, les trois épées devant la porte. Ça va les ralentir et ça permettra à tes épées de faire des. Enfin, à tes tourelles de faire de plus de dégâts. Et donc avec le géo, qu'est-ce que je suis censé bloquer? Alors tu sais que lorsque tu maintiens ton E appuyé, tu peux choisir l'endroit où tu mets ton pilier. Ah non, Ton ah ouais, épée. non, je savais pas, mais ouais, du coup, ok. Donc tu les mets côte à côte histoire de faire un chemin qui bloque les passages des mobs. Ok. Mais ça va être Demandez. légèrement facile pour toi les premiers niveaux parce que j'ai déjà des tourelles niveau 10 moi. Ben moi j'ai des nouvelles tourelles niveau 3, donc même je pense qu'à mon niveau j'ai déjà des tourelles assez haut niveau. C'est toi qui poses Bah, toutes les tourelles? Parce que j'imagine qu'on se partage les je trucs. vais poser d'abord les miennes ici et après tu poseras les tiennes, ok? T'as des conseils à me donner? Alors oui, Sur ce que je pose? cryo et hydro. Je crois que j'ai mis deux cryos comme un débile. Alors, non, pas ici. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah bah je T'as sais mis deux pas, cryos, effectivement. T'as mis tu deux m'as arrêté. cryos. Bon bah je pense que ça va aller. Mets tes épées, mets tes épées. Ça va aller effectivement, mais le truc il est one shot. Ah tu veux dire ça? Ouais, mais pas ici, devant les portails. Juste là où je suis, je regarde, ici. Ah juste devant coller dessus. Ouais. Là, et tu mets les trois côtés là. Ok. Alors, vitesse de mécanisme cryo, nombre de mécanismes de construction 1, vitesse de mécanisme cryo. Ok. Voilà. Donc maintenant, tu vas enlever une de tes tourelles puis cryo et tu mets une hydro. Et du coup, est-ce que j'ai là? Moi, j'ai encore 420 points. Je mets quoi? Alors, mets ici une tourelle Ah, cryo. cryo. Construire. Cryo. Alors, tu vas mettre toi ici tes trois piliers. Mes trois piliers. Ah, ok. Ok, Qu'ils ok. sortent vraiment unis pour des sortes à ce qu'ils soient. Ça se fasse un mur, ouais. Sauf si tu peux mettre ici une de pyro, mais une pyro. Ouais. Comme ça Là, là ils c'est arrivent bien. de l'autre côté. Ah non Ils il arrivent passe de l'autre entre les côté, trucs. mais j'ai mis deux des méturelles, donc du coup, ça va faire le taf. Ils vont one shot de mon côté. Il passe pas le gros. Alors, est-ce que tu Ok. peux enlever ta tourelle de feu ici, s'il te plaît? Oui, voilà, mettre les élémentaires, pyro et cryo. Mets les deux. Ça vaut le coup à chaque fois de prendre un truc là-dedans. Oui. Là, par exemple, l'imprévisible c'est bien aussi, mais quand tu es sûr de ton coup, tu vois. Là, je mets une cryo du coup. Là, enlève, c'est moi qui mets. Ok, vas-y. Je vais mettre une hydro. Bon, en vrai, je pense qu'on n'a pas trop de difficultés là. Ouais, non, là, clairement, on peut même laisser faire. Tiens, enlève ta cryo ici, s'il te plaît. Tu peux lancer. Lancer. Entraîne-toi à mettre des piliers de temps en temps pour le haut niveau. Parce que là, on est au bas level, donc ça va vite. C'est craqué? J'ai même des amplificateurs, tu vois. C'est Regarde. craqué? Oh! C'est bon, il est mort. Essaye de les mettre côte à côte parce que si tu laisses des espaces, tu vois, les petits peuvent passer. Là c'est bon là, je pense. De toute façon, j'ai mis des amplificateurs, donc là, ils Ah sont peut-être que morts. ça passe.
Alors, vitesse d'hydro, tu peux mettre les attaques mécanisme électro. Voilà, c'est ça, mais c'est juste en dessous de moi, la vitesse des attaques hydro. Ok. Voilà. Voilà. Et là, on a gagné. Tac. Du coup, je peux les mouiller avec mon perso aquatique. C'est ça, et l'électro, comme ça, tu fais une explosion. Ah voilà, défi terminé. Putain, c'était chaud, non? Eh oui, c'était super dur. Croyez pas. Hein. Bon bah, on peut faire le niveau suivant. Merci. Du coup, j'augmente quoi en priorité? J'ai 500 Alors, points. Alors, augmente ton électro. Électro. Il est niveau 4 maintenant. Et en fait, il faut que tu essayes d'augmenter chaque truc. Au même niveau. Jusqu'au niveau 5, niveau 6 et tout. D'accord. Donc là, augmenter hydro, cryo. Et les, les trucs qui sont verrouillés là, ils sont pas intéressants. Tu vas devoir les déverrouiller à un moment donné, mais pour l'instant. Là, pour l'instant, ça va. On enchaîne. Oui. Tac. Bonus 1,4. Ah bah ok. Voilà. Easy. Je vais mettre un pyro parce qu'il y a des électrodes. Regarde, si tu fais ton menu radial, tu vas vers le banco qui est là-haut. Moi, à gauche, il y a un petit cercle. C'est là que tu peux voir le type d'ennemi qui arrive. Ah oui, les électriques. Putain, mais c'est grave bien le truc des tours. La vache. T'as vu ça? Et voilà. Voilà. On a failli perdre. Twink. Yeah. Tac. Bonus 4. Façon, tu vas mettre un collecteur au milieu, j'imagine. Ouais. Je vais mettre un collecteur. Et je peux rien mettre de plus. Tu peux mettre ici une hydro s'il te plaît. Ouais, faut que tu quittes. Tac. T'es ready? Oh. Oui, c'est Furidi, je vais aller. Non, j'arrive pas à poser mes tours. Ah, là, ça marche. Ah, bah voilà, nickel. Attends, bon, je peux enlever la. Ici, les. Ah, il passe pas. Souvenir d'armes, il était à 0, en pitié. Ouais. Putain, il court! Il a eu. Le bouquin des voûtes d'assure là. Oh le mec. Il court les bonhommes. Il est dégoûté. Il est dégoûté parce qu'il voulait pas ça. Il court, mais t'inquiète, ils vont pas passer. Il courait pas avant. C'est bon, là il passe. C'était chaud. J'ai dû mettre plein de mines, chocolat avec les mines. De mon côté. GG. Le bonus niveau 5. Bonus 5. C'est pas bon. Merde. Y'en a un qui passe. Il s'est pas stoppé. Merde, c'est un petit nerveux là. Non. J'ai besoin que tu détruises un truc. Vous pouvez pas, je peux pas détruire tes trucs, y'a que les tiens. Ah bah c'est pas grave, on prend les trucs dans le. Non oh congèle-le. Mais. Je peux rien mettre, tu veux que je mette un truc? Bloc. Non, mais tu peux rien. Mets-toi. J'ai pas. T'as tout construit, toi. T'as tout construit. Bah. Oh, bien. Tu l'as poussé super. Bien joué. Yes. Attends, alors, faites gaffe aux chasseurs. Ils viennent de la partie alors. de Lucas. Alors, les hydromages viennent de ton côté, les chasseurs viennent de l'autre côté où était Lucas, et les gardiens viennent du milieu. Ah, ok. Lucas, va aider Yaito, Il passe pas. Il est passé. Ah, oh, merde. C'était pas des cryomages, qu'est-ce que tu me racontes? C'est les robots. Et dans l'œil, les cryomages, ils sont venus par le centre. On a eu une erreur d'expertise. Putain, je suis désolé, ça m'a cassé les couilles. Maintenant, t'inquiète, il te prend le. Ah non, vous avez pas le truc pour. Oh, dommage. Si, vous récupérez 5 points perdus. Oui. Regarde le score, il est encore à. Ah, 0. Cool.
Non, c'est le colosse de mon côté. Ok. Milieu. Congèle, barbare, 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 barbare. Voilà. Mouille. Barbare, barbare. Mouille. Allez, déclenche pas la bombe. Non, non, putain. Péché, il y en a un qui c'est. Qui est passé de quoi? C'est un cryo bonhomme là-bas. T'as fait, Yaito. Moi j'ai bloqué tous mes bonhommes. L'élève a dépassé le maître. Comment tu l'as pas bloqué? Comment l'élève a pu dépasser le maître? Tu veux le refaire le niveau 5 ou. Non, non, on va faire le 6. Et de toute façon, ça validera le. Ah bah ça va là. Alors, c'était quoi ici? C'est d'abord en haut, ensuite sorties. En bas. Tu vas mettre les piliers ici. Sur les marches? Et ici. Là? Ouais. Ah non, seulement deux? Bon, Des côtés pour les faire se réunir, tu vois. Ok, d'accord. Attention, il y a des mecs qui courent là. Congèle. Mouille. Ah ouais, c'est vrai. Tu les mouilles comme ça, s'il y a une tourelle et les cryo, bah, ça les gêne. Lors de la deuxième vague, ils viennent du bas. Ça, c'est pété de jouer en duo en fait. Ouais, merde. Bah. Bah, on a plus, des points. Si t'as pas d'amis, t'es. Mange un curly. Si t'as pas d'amis, c'est compliqué ici. Ouais. Mon côté, c'est bon. J'ouvre le pont, il va falloir que j'ouvre le pont. Pose-le lui. Ouais, j'aurais dû faire tomber. Dans le vide. Il est passé. Non, il y en a un qui passe là. Ah, il y en a un qui est passé. Bah, c'est pas. Putain. Même si passe, c'est pas très grave. C'est pas à mon construit. Il passe. Il y en a un qui passe. Non, c'est bon. Non, il passe pas. Oh, putain, il court. Putain. On a laissé passer. Regarde comment il court. Regarde le mec, c'est un marathonien. Il trace hein. Allez, si je regarde, normalement t'as validé le truc des 12 pour le niveau 6 et niveau 5. Tiens. Là c'est ça le marché aux lanternes. Est-ce qu'il y a des trucs bien là-dedans? Tu vas pouvoir tout acheter. Tu pourras vider la boutique. C'est vraiment en faisant le succès que tu peux tout avoir. D'accord. Après, si on réussit en 7, je regarde si, là si on fait le 7, ouais. Si on le réussit, ça, si on tue tout le monde, ça validera pour les 5 et les 6 en même temps. Tu penses? Ouais, on essaye? Bah, on peut essayer. Après, du coup, moi je suis un peu moins optimisé. J'aurais des outils un peu moins forts. Mais on n'est plus obligé de se limiter à 12. En tout cas, je me dis que tu vois, si on réussit, tant mieux. Si on réussit pas, c'est pas grave parce que dans tous les cas, ça te fera des matos pour améliorer. Bon, vas-y, on essaye. Vas-y, go. Je vais mettre ça. On va mettre un électro, un hydro. Est-ce que j'ai pour. Ouais, je peux mettre les trios ici. Ok, cool. Non. Quoi, t'en as laissé? Quoi? Tu arrives? Il est pas. Oh putain, quel enculé! T'en as laissé passer un? Il y en a un qui est passé, mais il a couru, ces golems. C'est quoi ce délire? Oh non, le dernier! En plus, il devait être mort quasiment. Il n'y avait plus rien de vie. C'est pour ça que j'ai arrêté de tirer sur lui, j'ai tiré sur l'autre pour l'arrêter. Oh putain! Horrible! Mec, on voyait plus du tout sa vie, il y avait plus de rien, il y avait un pixel quoi.
Putain, on l'avait fini. Regarde si ça t'a validé quand même, on sait jamais, peut-être que je l'ai tué. Ah non, regarde, ayant toi que tous les monstres n'ont pas validé, putain, c'est à côté, c'est le dernier. Plutôt, oh. Il faut que Lucas il aille en haut hein, cette fois-ci. Hein. Ah ouais? Mais du coup, il faut renforcer. Ouais, il faut renforcer. Il faut que tu mets renforce de ces côtés-là. De ces côtés-là, tu mets deux. Là, tu veux dire deux cailloux comme ça? Non, c'est pas ces côtés-là qui viennent aussi. Maintenant, tu mets juste un devant l'amplificateur. Là. Et je reste en haut ou en bas? Et tu vas en bas. Et tu tapes, tu fais des attaques chargées. Vas-y, lance que ça disparaisse pas. De l'autre côté, aussi. Pas de l'autre côté aussi. Faut que j'aille de l'autre côté. C'est bon. Merde. Il y a un gros là. Si t'as Barbara, mouille-le tout le temps. Il y a le gros, il y a le gros. T'inquiète, concentre-toi en bas, C'est bon, en bas c'est safe. Bien joué. Voilà, tranquille. Trop facile ce jeu. 1000 voilà, points, 1075 points. Défi terminé. 1125 points. Bah c'est bon, t'as fini. Récupérer. Ouais, maintenant tu prends qui, Lucas? Tu prends qui? Je prends ma célébration lanterne. Bah, deux persos de glace augmente de 15% le taux critique. Ouais, mais j'ai envie de prendre Bédou. Bah, prends Bédou, gros. Je prends Bédou. Je préfère avoir des persos améliorés. Qu'avoir plus de persos? Ouais. Et voilà! J'ai tout débloqué! J'ai fait tous les 20 ans entiers, ouais! Et je vais aller me coucher! Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux et sur ma chaîne Twitch. Les liens sont dans la description. Fais un effort, Lucas, fais un effort! Comment on dit fais un effort en espagnol? Haz un esfuerzo, animal. les gens.